Tu vas partir. Laissez-moi venir s'asseoir là avec elle. Oui, et puis c'est un esprit de mort. D'accord. C'est ta soeur. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. C'est pour cela que dans la délivrance, il faut un suivi. Il faut un suivi. Sinon, l'esprit risque de tuer la personne. Parce que c'est pas facile un esprit de quitter facilement le corps. Un corps plutôt. Parce que l'esprit dit que depuis qu'elle est née, il a su. Vous comprenez? Donc c'est sa chose. C'est pour ça qu'il a l'habitude de dire aux gens, quand nous prions pour vous, les esprits viennent nous attaquer. Ils nous attaquent. La semaine dernière, j'ai prié pour quelqu'un. Et l'esprit est venu me dire, ces trois personnes sont venues me menacer. J'ai cherché la personne. L'esprit m'a dit qu'il n'allait jamais, le monsieur n'a jamais délivré. Effectivement, le monsieur est parti. Le monsieur est parti. Et il y a un petit sorcier qui est venu et qui dit, il y a des gens, les sorciers qui l'ont envoyé me tuer. Pendant que je prêchais, il est tombé. C'est pas facile pour nous par moment. Mais quand Dieu t'a appelé à quelque chose, je te protège. Il demande A plus B qui t'a appelé à cette chose. Amen. Lâche-la. Tu m'attends? Je vous informe en même temps qu'il y a matin bonheur. J'ai déjà annoncé ça dimanche passé à l'église. Les gens ont décidé de venir faire un reportage. Oui, j'ai déjà annoncé ça ici. Hein. Et ils vont venir faire un reportage à Zaroko de nos activités, la RTI et la télévision ivoirienne. Il viendra faire un reportage sur toute la ville, le village de Zaroko. Nous, ça nous permettra de communiquer aussi sur la voie de, qu'on appelle le village du Doko à Zaroko, pour que l'État puisse se pencher là-dessus. Parce que maintenant, l'année prochaine, je crois que par la grâce de Dieu, je serai constamment sur le plateau de la télévision pour parler de nos activités et de parler de la destruction des œuvres de la sorcellerie. Je crois que chaque deux semaines, je serai là. Ouais, quand tu es de Dieu, Dieu lui-même fait ton palabre. Amen. Sont eux qui m'ont appelé, on dit on doit maintenant te faire connaître. C'est pas moi. C'est la télé qui dit on doit te faire connaître. La Côte d'Ivoire doit te connaître. Amen. Sors. Allez. Lâche-la. Tu vas partir de sa vie, tu vas quitter sa vie. Feu. Le feu consume tes œuvres. Va-t'en. Va. Tu la vois, tu dis maman. Là, c'est rapide, donne. Je suis mou. Et nos limites. Partout, tu peux la voir. C'est que le démon te montrer. Qui a mis à beurre d'avocat. Dès que tu couches avec elle, l'esprit t'attaque. Toi, tu sais pas. Tu as fini. Tes trucs chinent. Tu comprends pas que les choses commencent à se perdre. Tout commence à se dégrader. Tu vas être venu toucher femme de quelqu'un. Vous tenez l'esprit. Mais l'esprit, c'est ma femme. Vous n'avez pas entendu ça tout à l'heure? Si. Parce que la vraie, il n'y a même rien. Donne-moi ton numéro, je suis mou. Ça a une non limite. On peut aller jusqu'à. Il n'y a pas de limite dedans. Démon va te montrer qui a mis beurre d'avocat. Tu finis, tu comprends pas. Vois-tu, tu te freines. Tu prends l'argent, tout se gâte. Tout est levé, disant autour de toi. Tu comprends plus rien. Tu vas toucher la femme de quelqu'un. Toi, si on touche ta femme, tu n'as pas jaloux. C'est la chose qu'on ne touche pas. Hein. Ça ne peut partager les fonds de quelqu'un. Les hommes n'aiment pas ça, Bouddha, c'est des sorciers, ils aiment tromper les femmes. Le feu sur vos bouches. Amen. Feu. Lâche-la. Ouais, c'est un esprit de mort qui l'a saisi. Fougement sur le monde. Va-t'en. Il faut avoir l'onction pour chasser ces gens. Fougement sur le monde. Il faut avoir l'onction. Je crois la bonne.
Va partir. Au nom de Jésus. C'est un ordre. Si. Tu vas partir maintenant. Si. Si. La soeur a dit qu'elle se sentait lourde. C'est un musulman, hein. Elle est en Allemagne. Elle dit qu'elle se sent libérée. Et moi, ça me réjouit. Elle repart dimanche, c'est ça? Elle va à 19h, c'est ça? Elle va prendre son vol à 19h. Elle va venir faire des affaires. L'encourager de venir investir en Côte d'Ivoire. C'est au cas. L'argent ici. Elle est musulmane. J'en profite pour dire en même temps tous ceux qui suivent notre chaîne de la brigade anti-sorcier. C'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent venir. Il y a des gens qui viennent nous créer pas trop de difficultés. Elle est venue, elle ne connaissait pas la Côte d'Ivoire. Mon nom est la Côte d'Ivoire. Moi, je suis allé l'accueillir à l'aéroport. Toutes les conditions possibles pour qu'elle arrive à Divo. Elle est venue à Zaroko. Je dois la raccompagner. Est-ce que tu as eu des difficultés? Tu as mis la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà, c'est pour dire en même temps pour ceux qui veulent venir contacter le service depuis mon cabinet. Nous sommes déjà prendre des dispositions pour vous accueillir. Est-ce que d'autres se posent des questions? Est-ce qu'ils seront en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils seront bien accueillis? Est-ce qu'ils seront bien reçus? Si, c'est pas la première d'ailleurs. Je salue aussi Patrice qui est à Berlin. J'ai reçu la lettre d'invitation. Je serai bientôt à Berlin. Il est venu, c'est un Camerounais. Il est venu de Berlin, c'est la première fois en Côte d'Ivoire. Il avait deux semaines et reparti. Il y a eu aussi Clément, un très gagnant, c'est la première fois qu'il venait ici. Sans difficulté, il y en a beaucoup comme ça. Voilà, donc si vous venez, vous voulez venir. Souvenez-vous au nom du ministère, pour que vous contactiez le cabinet, nous irons vous accueillir à l'aéroport, vous envoyer vos délibérés, vous allez retourner. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, vous voyez, vous allez c'est nous comment ils sont d'or. Allez, accueillez à nous. Demandez pisse. S'il vous plaît, le numéro. Non, il y a. C'est pas de qui. Vous êtes belle, hein. Moi. Je souris un peu. Mon numéro est lui, elle donne. Alors, c'est la femme. Son mari va. Si elle ne veut pas délivrer. Mais ce qu'il dit, elle ne va jamais procréer. Mais on a calé le calé. Créer des bruits en test. Elle va brûler ses relations. Il y a des personnes comme ça. Ça marche pas. Parce qu'il y a des démons dans la vie des gens. Lâche-la. Va. Feu. Allez. C'est son affaire du mot, mais c'est camaraderie, c'est votre camaraderie. Il y a la deuxième. C'est son affaire du mot. Feu! Allez! C'est ça qu'il faut avoir l'option de la délivrance. La partie sort au travers de sa bouche. C'est quand l'homme disait qu'il y a. Feu! Toute ta vie.
Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Va. 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 Je suis en train de régler son problème d'enfantement. Mais il est vraiment dans le cas. Mais pourquoi bien? Va. Va. Lâche-la. Allez. Come on. Allez. Allez. Come on. Chasser un démon, c'est pas une mince affaire. C'est le boulot le plus difficile. Tu la regardes. Tu m'as cherché rien que des possibles. L'esprit des eaux, lâche-la. L'esprit des eaux. L'esprit des eaux, lâche-la. 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 Esprit des eaux. Maintenant, lâche-la. 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 Je suis plusieurs francs. Non, mais c'est bon. S'enfermer seul dans une chambre, elle ne veut pas parler à quelqu'un. Ce sont les esprits. Il y a des femmes, une fois tu as des rapports avec quelqu'un, une fois, deux fois, c'est fini, tu n'as même plus envie de le voir. Tu as envie d'échanger. André Fotard. André Fotard. André Fotard. Il y a qui ne pas Fotard. Abby. Les gens qui aiment nous voter. Quel est ton nom? Toi.
Qui es-tu? Qui es-tu? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Oh, ça marche bien. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Tano. Tano. Comment tu as fait dans ta vie? Comment tu as fait dans ta vie? Non. Comment tu as fait dans ta vie? Non. Comment tu as fait dans ta vie? Non. Si. Non. Je fais sur toi. Feu. Comment tu es entré dans sa vie? Comment tu es entré dans sa vie? Elle m'a battu. Elle quoi? Elle m'a battu. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Non. Comment est ton enfant? Comment est ton enfant? Elle est ton enfant. Toi, tu sors d'où? Tu sors d'où? Et même le fleuve t'a levé. Tu veux le pire? Non. Qui t'envoie dans ta vie? Qui t'envoie dans ta vie? Qui t'envoie dans ta vie? Il est de la maman. Il est de la maman. Je l'ai donné à sa maman. Ça veut dire que pour la voir, ils sont là donnés une rivière. Non, c'est mon enfant. Tu vas la lâcher maintenant. Qu'est-ce que tu as gâché dans ta vie? Qu'est-ce que tu as détruit dans ta vie? Elle m'a fréquenté. Elle m'a regardé toi. Elle m'a regardé ta famille. Elle m'a dansé. Elle m'a dansé. Tu dois danser, j'ai mis. Elle m'a dansé. Elle doit adorer le sang. Elle a fait cette pratique. Lâche-la. Lâche-la. Quitte ta vie. Quitte ta vie. Quitte ta vie. Feu. Quitte ta vie. Feu. 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 Quitte ta vie. Quitte ta vie. Quitte ta vie. Quitte ta vie. Lâche-la. Lâche-la. Si. 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 Non. 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 Ta vie appartient désormais à Jésus. Ta vie appartient désormais à Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Non. Non. Elle doit adorer Jésus. Elle a maintenant un nouveau père qui est Jésus. Sors de sa vie. Allez. Si. Sors de sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Va-t'en. Va. Va-t'en. Va. Va-t'en. Va-t'en. Amène-moi ta fille, toi. Va-t'en. Va. Va-t'en. Va partir. Cette vie appartient à Jésus. Cette vie appartient à Jésus. Cette vie appartient à Jésus. Va-t'en. Le feu dans tout son corps. Le feu dans tout son corps. Le feu du Saint-Esprit. Quand c'est comme ça, tout ce que tu cartouches, ça se casse.
c'est pour ça que tout ce que tu touches, c'est gâté. Ton mariage, le monsieur, il est bien. On gagne, oui, oui. Orange, c'est bonjour. Orange, bonjour. Le correspondant, il ne fait pas de mal. Appelez. Quand tu es si souvent, il parle, le monsieur a changé de puce. Il y a un télé pour l'avoir. Le monsieur a changé de puce. Lâche-la. Tu vas partir. La démon ce soir. Ils vont partir. Tu vas partir. Lâche-la. Je brise le pacte. Le pacte est brisé par la puissance de la sang de l'agneau. Toute sa vie. Je t'arrache. Je brise le pacte. Vous voyez, c'est comme si elle avait une alliance. Quitte ta vie. Lâche-la. Va. Le feu sur toi. Pousse ton cul et va. Pousse ton dernier cri et va-t'en. Pousse ton cul et va. Va-t'en. 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 Va. 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 Tu n'as plus trop de choses d'enfant là. Je te sens plus. Allez. Mettez le sable sur ça. Ok. Lâche-la. Lâche-la. Va!
Va. Ah, mon enfant. Non. Mon enfant. Oui, laisse tout pleurer son enfant. Mon enfant. Mon enfant. Cette vie appartient à Jésus. Mais vous pouvez dire la bouche. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Délivré. Non, c'est biblique. De Jésus, mais il y a un démon sort. Jésus est venu à la vie. Amen. Et après ça, il revient. Et puis il revoit la vie. Non, pas de. S'il n'y a pas Jésus, je dis, tu es vous. C'est moi, vous allez chasser. On l'avait acquis. Il est au bas de vie. Quand tu es délivré, il faut que tu aies cette délivrance. Et là, tu es en marchant dans la voie de Dieu. C'est là, la voie de Dieu. Lève-toi. Comment t'appelles? Comment t'appelles? Comment t'appelles? Comment t'appelles? Le micro. Je m'appelle Linda. Lève-toi. Lève-toi. Je sais. Eli la gona mu magere ke mu o bere ke mu o gibia o awe abia wa la gona mu magere ke mu o bere ke mu o gibia o awe amo Oh!
passé ma chambre, elle m'a dit, quand je dormais, j'ai commencé à chasser les démons. J'ai dit à moi, elle dit, mais faut m'enseigner la parole. Quand je reviens, je te dis à ça. Donc seul, autrement Dieu, notre Dieu est chargé de mon pardonner. Tu n'es pas dit, assez Jésus, comme tu es musulman. Non, je dis que le secret des prières, ouais. Parce que c'est. Pour la respecter, je suis religion. Non. Et c'est une question de condition. Et je ne suis pas contre la religion musulmane. Non. J'ai encore des parents musulmans. Donc elle est venue. Elle est venue en tant que musulman. Non, il n'a pas de canard. Elle ne voulait même pas qu'on la tue. Alors, elle voulait pas ça. Ce soir-là, elle m'a dit, pendant que je dormais, j'ai commencé à chasser les démons. J'adorais les eaux. Oui. Tes parents adoraient quoi? Faut prendre oui, oui, ton histoire, tu peux nous conter ton histoire. Parle doucement, allons-y, allons-y. Mon maître, toi, et parle-nous gentiment. On veut entendre ton histoire. Ça va la laisser laver. Thank you.